échelle. En interprétant les indices, les enquêteurs purent reconstituer la façon dont les voleurs étaient entrés dans la chambre forte. Ils avaient d'abord désactivé l'alarme en vaporisant du polystyrène liquide à l'intérieur. En durcissant, celui-ci avait bloqué le système et neutralisé tout le mécanisme. Ensuite, les voleurs étaient montés sur le toit. Les enquêteurs trouvèrent du ruban adhésif près d'une prise de courant, ce qui indiquait que les voleurs avaient vraisemblablement utilisé l'électricité de la banque. Comme il n'y avait pas d'empreinte digitale sur le ruban adhésif, les voleurs devaient porter des gants. Ils avaient pratiqué une ouverture à l'acide électrique de 3,60 mètres carrés. Une fois sous les combles, les voleurs avaient visiblement su comment neutraliser le système d'alarme silencieux. Ils ont pris deux des fils transmettant le signal d'alarme, ils les ont coupés puis soudés ensemble. C'était du travail d'expert. On a tout de suite vu qu'ils avaient bien appris le leçon. Même si le système d'alarme avait été désactivé, 40 cm de béton armé les séparait encore de la chambre forte. Le seul moyen d'y entrer serait d'utiliser des explosifs. Les agents croyaient que les voleurs avaient perforé le ciment pour y insérer des bâtons de dynamite et des détonateurs. De l'explosion détruise la plaque de ciment sans blesser les voleurs. Et sans que le bruit n'attire l'attention. La présence de fragments de toile de jute indiquait qu'ils s'étaient bien préparés. Ils ont placé des sacs de jute sur les explosifs. C'était non seulement pour étouffer le bruit, mais aussi pour diriger l'explosion vers la chambre forte. La diriger vers le béton, comme prévu, plutôt que vers eux. Sur l'armature du béton, les enquêteurs relevèrent des traces de brûlures. Ils en conclurent que les voleurs savaient que la détonation n'aurait aucun effet sur l'acier. Ils avaient donc apporté un chalumeau. Ils se concentrèrent ensuite sur l'évaluation des pertes. Selon les responsables de la banque, 50 000 dollars manquaient. Mais les voleurs ne s'étaient pas contentés de l'argent liquide. Ils avaient pris le temps d'ouvrir les 458 coffres bancaires. Jugé par les traces d'outils sur les serrures de ces coffres, les voleurs s'étaient servis d'un instrument pointu pour... Et le Warus. Mais Warus. Ensuite, j'étais en patrouille. N'emportant que ce qui les intéressait. Les bandits étaient si bien organisés que personne ne n'avait pu ni entendu entrer et sortir de la banque. Connexion. Connexion. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
J'ai prévenu hier que si le petit bâtard se parle encore de mon nom, j'ai fini avec lui. Comme demain c'est dimanche, donc lundi matin, je finis avec lui. Au nom de Dieu. C'est la tête de l'amour. Connaissez-vous. Ne croyez pas que je ne patrouille pas. Hein? Je patrouille partout. J'ai bu mon vin. Je continue dans le mon vin. Je n'ai pas sommeillé. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ce petit bâtard là, ce petit sanglier qui est au Cameroun là, il a prononcé mon nom. Apparemment, je passe mon temps à l'appeler. Connaissez-vous. Est-ce qu'elle m'a dit que quand il parle de moi, il n'y a même pas les vues. Il n'y a même pas les vues. Toby Chou, j'étais prévenu. Ne prononce plus le nom de la veuve malheureuse, la pauvresse, celle qui a tué son mari. Ne prononce plus mon nom. Bonsoir. Demain, c'est dimanche. 11h, on va au marché. J'ai bu mon vin. J'ai dormi quelques minutes. Je suis allé à YouTube. Je suis allé chez ce petit bâtard-là. Qui est mon corps. Je suis sous. Je suis chez moi. Ma porte est fermée. Mais je regarde tout ce qu'on dit sur moi à Facebook. Tout à l'heure, j'étais avec un camion de téléphone. Elle m'a dit qu'elle est au coucou noir. J'ai dit que je ne peux pas venir au coucou noir. Attendez un peu. Moi, je bois la Guinness. Que le blanc m'a offert là-bas. Je n'ai pas fini la Guinness, je suis rentré avec. Quand je parle ici à Facebook, vous n'écoutez pas. Hein? Ouais, ouais. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Jamais. Mais ce petit bâtard là qui est au Cameroun, je finis avec le lundi. On m'écrit en anglais. Est-ce que je connais même écrit l'anglais? Que quoi? Les étoiles ne sont pas où? Ah bon? Tu es sûr que tu es dans le bon mur là? Même si je fais. Comme on dit. Même si c'était 20 directs ou 100 directs, c'est toi qui paies ma collection. Ma page est monétisée. Quand tu as une page monétisée, tu dois faire des directs. Et oui. Même 20 directs. Parce qu'il y a les publicités qui passent. Il y a beaucoup de choses qui passent. Tu m'entends? Laissez-moi tranquille. Je ne vous oblige pas à m'écouter.
où elle me regardait. J'ai fermé une heure de temps. J'ai mes Dieu. Voilà 100 étoiles qu'on m'a donné. Je dis que papa, je n'ai pas bonifié. Il faut me laisser. Hein. C'est obligé de me regarder. Même si j'ai pris sur moi, ça me regarde. Je suis là pour dire que je suis parti en patrouille. Hein? On parle mal de moi. La saleté qu'on appelle celle de Ténier. Celle qui va d'ailleurs bientôt là. Sylvie Ténier, tu sais, il était quand même pressé. Il est qu'un homme. La vidéo bouge. Vous m'écoutez parler, mais vous ne mettez pas les cœurs. Pourquoi? Mettez même deux cœurs, s'il vous plaît. Non, non, non. Sylvie Ténier, si tu veux d'ailleurs, je vais t'aider à aller dans la tombe. Parce que moi, je m'amuse pas à Facebook. Va leur rendre l'argent de jusqu'à qui avait motivé ta page. Quelle page? Mais j'ai payé 800 euros, non? Tu parles de quelle page? J'ai payé au Jusqu'à. Aujourd'hui, c'est là en toi. C'est grâce à moi. Je l'ai invité sur les Champs-Élysées. Je l'ai invité sur chez moi. Il est trouvé en toi. Tu me parles de quoi? Quelle page? Tu me détestes, mais tu es là. Il faut savoir que dans mes vidéos, je peux bloquer qui je veux. Et si je ne te bloque pas, c'est parce que après je te bloque dans tous les moteurs Facebook. J'entends. Aujourd'hui, aujourd'hui est où? Qui la regarde encore aujourd'hui? La musique est où? Quand je tape ma main au sol, elle m'a insulté gratuitement. Parce que, apparemment, l'intention de mon accord est insultée et que je n'ai pas défendu. C'est à cause de ça qu'elle m'a nettoyé à Facebook. Est-ce que je l'ai envoyé insulter Natacha? Non. Pareil, comme le petit bâtard qui est au pays là. J'ai ce bain que Toby Chou. Mon combat avec Lolo Pipi Ingrid va continuer. Il a dit quoi? Comme tu me défies, je vais te laver. Est-ce que ça a duré? Il m'a nettoyé. Avec mon mari, mes enfants, ma maison, tout. Est-ce qu'il me connaît? Aujourd'hui, il est où? Et il ose dire comme quoi? Aujourd'hui, je l'ai appelé. Que je passe le temps à l'appeler. Moi, si. Puis, au gré, ce que moi, ça n'existe pas. L'autre jour, j'étais couché ici. Il y a, comme on appelle, Black Beauty. J'attends. Elle s'appelle Stéphanie. Et puis moi, je l'ai dit que tu m'appelles pourquoi? Après, elle me répond, je peux t'appeler? Je manque qui appeler. J'ai dit, mais donc tu as encore mon numéro? Efface mon numéro. Parce que comme moi, j'ai effacé son numéro, vous voyez, non? Donc, moi, je n'avais plus. C'est comme ça alors que je me rends compte que c'est elle. Parce que j'avais mis son numéro dans l'autre compte de WhatsApp. J'ai dit, Stéphanie, avec moi. Puis, oh, est-ce que moi, Facebook n'existe pas? Oui. Je vous dis. Quelqu'un reste là. Il dit que je l'ai appelé. J'ai appelé qui? Quand et à quelle heure? Tellement qu'il ment. Tellement que ce petit bâtard là ment. Il n'a même plus les vues. Il n'a plus rien. Moi, aujourd'hui, t'appeler.
avec mon téléphone aussi. Moi, t'appeler. Mon petit, j'ai 47 ans. Je suis clamé, j'ai ma petite fille. Tu m'entends? Je n'appelle pas les gens. Ce sont les gens qui m'appellent. Et quand moi je rappelle, on dit pas que oh. Quoi, c'est elle qui t'avait montré la appuyé la monétisation. Montré qu'elle est monétisation. Elle m'a jamais rien montré. C'est elle-même qui a fait ma monétisation. Je lui ai envoyé tout ce qu'il fallait. Elle a ma carte de séjour, elle a mon. On appelle ça comment? Fiche de position, elle a mon RIB. Elle a tout. C'est tout. Elle a bien monétisé jusqu'à aujourd'hui. Mais après, je suis monté dans Facebook. J'ai fait en sorte qu'elle ne soit plus admise dans les pages. Et c'est elle-même qui vient écrire à Facebook que oui, je ne suis plus admise dans sa page. Alors, je suis bête. Tu veux que je parle de Chiga, pourquoi? Pourquoi tu veux que je parle d'elle? Elle a semé. Aujourd'hui, elle récolte. Aujourd'hui, elle est où? Où sont les étoiles? Où sont les vues? Où est la musique? Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous vous taisez. Je n'ai jamais insulté Oshika. Oshika m'a insulté. J'avais le COVID-19, j'étais ici. Pour rien. Pourquoi? Parce que apparemment, il y a eu un problème d'être chez Monaco et puis moi je n'ai pas agi. Et après, il y a eu un problème avec Nivakin aussi, avec Natacha. Et moi j'ai parlé déjà à Nivakin que oui. Mon frère, laisse comment on appelle Natacha. Elle s'est fâchée. Je m'en fous que tu me détestes ou pas. Quand vous ne connaissez rien, il faut vous taire. Si cette fille a en toi aujourd'hui, c'est grâce à moi. Regarde d'abord les papiers. Oshika quoi. Mais aujourd'hui, elle est où? C'est marin, hein? Maintenant, elle fait les directs. Il y a combien? 6 personnes. Elle parle de tout et de rien. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus les étoiles, il n'y a plus les publicités. Et la vraie chose, c'est là. Vous croyez qu'il n'y a pas Dieu dedans? Il y a Dieu dans ça. Quand tu m'attaques, rien pour rien. Veuve malheureuse, veuve pourriture. Quand elle m'insultait, personne n'a vu. Mais quand ma petite fille a dit Oshika, Pékas, Oshika, tout le monde est sorti sur moi. Elle a dit quoi? Je te porte plainte avec ta petite fille. Citation directe. J'attends. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut souvent me demander avant de venir parler ici. C'est un ami ici qui m'a dit qu'il connaît une fille qui peut m'utiliser. Je l'ai invité un mardi, Champs-Élysées. Elle a monté sur ma page, je l'ai payé. Elle est venue ici, je l'ai accueillie avec des gros poissons et tout. Et j'ai fait venir une femme qui s'occupe des appartements, enfin, qui s'occupe un peu, elle un peu, vous voyez un peu. Suis sûr. Et le lendemain, Oshika a parlé sur Facebook. Oh, ma veuve, merci, oh, merci, ma veuve. Elle m'a rendu un service que peut-être tous les mois je peux peut-être avoir même 100 euros. Mais moi, je lui ai quand même mis un toit sur la tête. Que cela le tienne. J'espère qu'elle restera dans cette maison. Vous savez, les gens comme moi, je perds dans le noir. Dans le noir. Entendez? Non, 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 pasteur supérieur, je ne suis pas d'accord avec toi.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je t'aime beaucoup. Mais parce qu'il y a un problème. L'autre jour, j'étais même où j'étais à Courbevoie. Où c'était vendredi, où c'était un vendredi. Je suis parti envoyer un peu d'argent à maman. On m'appelle souvent que tu es venu, c'est grave. Où c'était jeudi ou vendredi, je ne sais même pas. On m'a dit que oh, tu es chaud en train d'insulter Flore et un gringa. Mais moi, comme j'évite, je ne peux pas entrer dans le direct et tout, c'est tranquille. Je n'ai pas cru. Il y a Sandra, tu connais Sandra Rose qui est venue me dire l'histoire. Je n'ai pas cru. Je suis resté ici. J'ai regardé le direct. Et moi, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Parce que je ne sais pas quoi se passe là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est retourné carrément. Et là, quand même, il s'est invité au porno. L'ignace, où c'était Flore, où c'est qui, je ne sais pas. J'ai regardé. Et je n'ai pas aimé. Et je ne l'ai même pas appelé. Tout ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai écrit dans mon compte que Toby Chou, quel est le retournement de la situation? Il a avalé. Après, j'ai mis une photo, j'ai dit que Toby Chou, Lolo Pipi et Ngenga, ce sont mes gens. Il a dit quoi? Il a dit un mot, comment tu me défies, je vais te laver. Pour moi, je n'ai même pas cru qu'il allait faire ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu peux être habillé avec Flore. N'est-ce pas, Flore est habillé avec Mringa? N'est-ce pas, je parle avec Flore? Ça ne chauffe pas. Hein? C'est quoi? Est-ce qu'on lui a dit de ne pas être habillé avec Lolo? Non. Et moi, alors, il m'a insulté. Insulter mon mari, me dénigrer mon ventre, me dénigrer mon visage. Il a tout fait, j'ai écouté tout ça. Ça m'a fait très mal. Pour rien. Qu'est-ce que toi tu fais, pasteur supérieur? Tu ne nommes que mon Seigneur. Et tu es content. Vous allez respecter la toile. Les petits là vous mettent au travail. Il vous a mis dans les côtelettes. C'est ton rôle? Je l'ai fait quoi? Il a insulté mon mari. Il a déterré le soumis de mon mari. Moi, je suis passé. Tout le monde est passé. D'abord, vous êtes passé. Et toi, pasteur supérieur, tu acceptes ça. Tu le nommes mon Seigneur. Mais sache que, on est déjà dimanche. Lundi, je vais faire un boomerang sur lui au Cameroun. Je vais demander qu'il ne me prononce plus. Il a fait un direct, il dit que je l'ai appelé. Moi, je l'ai appelé, moi. Comme tu construis les bêtises avec ta femme, Sylvie Tenier, il faut dire à Sylvie Tenier qu'elle ne me connaît pas. Comme elle est au bord du suicide, elle est au bord du gouffre, elle veut dire Adai. Je veux l'aider à tomber. Elle ne me connaît pas très bien. Je n'ai pas peur d'elle. Oui. Elle est refoulée partout. Il n'y a que toi qui l'acceptes. Quoi? Il m'a insulté pour rien. Amen, Mata. Du cahier des terres du roi de Grimont. Il faut voir le direct. Va voir le direct. Je lui ai fait quoi? Je lui ai fait quoi? Pasteur supérieur, voilà l'ordinateur. Attends, je te montre. Voici un téléphone. Voici l'ordinateur que je lui ai promis. Avec les parfums. Pour lui faire une surprise que quand j'arrive au Cameroun. Maman? Ah. Il a fait un durement à 100 degrés.
Il m'a nettoyé. Nettoyé. Pourquoi? Je lui ai fait quoi? Même si je lui ai envoyé 100 euros, ou c'est 4 euros, c'est quoi? Ça fait quoi? Quand tu le vois, il ne respire pas la misère, la pauvreté. Il est comme, je me fais opérer. Dès que je m'opère, après, je peux au Cameroun. Que je dois changer tout ça. Là, là, bientôt. La visée. On n'attaque pas les gens pour rien. Depuis des années. Grand Cam, Ngossa, Lolo et moi. On est dans le game. Les gens qui vont entrer dedans là, leur problème. Et en passant, il faut dire à bon la chef qu'on va kidnapper son frigo. J'ai déjà envoyé les gens kidnapper son frigo. On va voler son frigo. Donc elle passe attention. Au Canada. Il faut lui dire ça. Maintenant, ça vise le frigo au parc. Vous pouvez choisir. Nettoie. Tu peux nettoyer toi. Non. Maintenant, toutes ces vidéos, c'est que s'il ne parle pas de la veuve joyeuse, s'il ne parle pas de Kunkam, s'il ne parle pas de la team PDG, s'il ne parle pas de Moussa. C'est le voisin qui l'a. Il faut lui dire que je vais kidnapper son frigo. Elle met les portes blindées chez elle. On va casser son frigo là. Parce que son héritage, c'est le frigo. C'est le frigo. Il faut lui dire ça. Maman, parfois les gens disent juste que oui. Là, je mérite les injures. Je mérite. Je lui ai fait quoi? Maman. C'est juste là que j'ai payé les oranges et les mangues et tout. Je lui ai fait quoi? Rien. Il a insulté mon pauvre déprimant. Laurent, excuse-moi. Comment je l'ai tué? Comment j'ai étouffé? Comment j'ai égorgé? C'est quoi ça? Parce que Lolo Pupi et sa bande ont dit que non. Tu as fini avec les deux là. Il faut prendre Walos. Et il m'a pris, il ne m'a pas loupé. Hein. Il ne m'a pas loupé. Hein. Il m'a insulté. Et il n'a pas loupé Warus aussi. Warus est passé. Quelqu'un est passé. Ça est passé. Ma parole, il m'a mis plus bas que tes mains, dénigré comme si j'avais venu à me voir chez moi. Tout ça à cause de quoi, ma? Parce que tu aimes l'autre, Lolo. Je te montre que c'est moi qui nourris Lolo. Elle a dit quoi? Oh, que j'ai payé l'habitude. Une seule te dit que ma cour, pardon, donne quelque chose. Je donne. Je ne parlerai plus jamais avec toi, attends. Qui appelle l'autre? Qui me fait les choses? Est-ce que le lait est bon? Vous mangez à Dieu dans un restaurant avec l'eau? Jamais. On dit que je bois. Vous savez, il faut faire attention. Hein? Tout ce que vous voyez à Facebook n'est pas vrai. Moi, je bois. Mais elle, c'est une alcoolique. Il nous faut un junkie. Il faut repartir par derrière. Tous les soirs qu'elle était. Qui était sous? C'est moi ou elle? N'est-ce pas? Autrement, on dit que pourquoi la pile, il faut l'attacher. Il faut l'attacher. Mais moi, je suis chez vous, dame. Oh, dame, je ne peux pas coucher avec toi. Je ne te connais pas, je ne peux pas coucher avec toi et tout. Maman. Je lui ai dit que ce qu'on tabac fait là, il va te faire ça plus pire que ça. Il va arriver, non? Je veux porter plainte. Avec quel papier? Vous avez d'abord les papiers. Non, là, 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 là. Non.
Il ne peut même pas deviner quoi que ce soit. Je vous dis non. Il faut se battre du cœur. D'ici lundi, s'il prononce encore mon nom, il va voir. Que veuve joyeuse, il me juge pauvresse, veuve malheureuse. Aïe! Ok. Moi, j'assume. Mais qu'un petit bâtard comme ça m'insulte. Par rapport à quoi? Je lui ai fait quoi? Je lui ai fait quoi? Parce que comme la fille avec Waris, avec, comment on appelle, Kankam, Gospit, il fallait absolument que lui aussi me nettoie. Parce que j'ai dit que Lolo et moi, c'est jusque la gare. Il me dit que, comment tu me défies? Comment tu me défies? Tu vas voir, je vais te laver. Et il l'a fait. Et ce matin, j'ai dit qu'il ne prononce plus mon nom. Il dit comme quoi je passe mon temps à l'appeler. Moi aussi, appeler les gens. Il faut demander à, comment on appelle, à Deko Mambo. Ça fait combien de temps depuis qu'on s'est fâché? On ne s'appelle plus. C'est souvent quand je le vois dans ce direct, c'est là que j'appelle. L'autre jour, il m'avait appelé. J'avais oublié que son dos était dans mes trucs. Il m'a appelé pour se lancer, pour que certaines choses, et je lui ai dit. Et quand je pense que Deko Mambo le valorise, jusqu'à Deko Mambo, tu dis qu'il est devenu mon seigneur dans ton église. Non. Non. Je veux bien comprendre que Deko Mambo, tu n'es plus ami avec Flore. Tu ne fais pas une Flore. Tu ne fais pas une Goussa. Tu fais apprendre tout le monde. Mais accepter qu'un petit bâtard comme ça vient, tu le valorises. Avec la grosse poufière, ce qu'on appelle les séries dernières, dans ton église. Tout simplement. Parce que il insulte les femmes. Les femmes qui l'ont aidé. Vous allez me comprendre. Vous savez. Moi, j'ai un sixième sens. Il y a deux ou trois semaines, j'étais ici, il m'appelle, il me dit que viens dans le direct. J'ai appelé direct. Dans le direct, qui entre dans le direct? Oujan qui me suit. Et qui entre après dans le direct? Ngoussa. Oh, mon fils, il faut faire problème. Je t'aime jusqu'à Ngoussa a parlé. J'ai appelé Kankam. J'ai dit que l'histoire, c'est dans quelques jours. Comment on appelle ça? Toi et Ngoussa, vous allez souffrir. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Les gens disent que non, la veuve n'a pas voulu parler, ne veut pas parler et tout. Le père, c'est qui? Mais comme, fais attention. Il faut savoir que comme il me fait là, il va te laver un jour. Parce qu'on ne peut pas faire ça à une personne gratuitement. Je ne lui ai rien fait. Rien du tout. C'est comme ça que j'étais prévenu avec Patrice Amel. Avec le gros nez. Et attends, on va te faire ça du 1. Elle est fière. Tata Lolo. Alors que c'est elle qui est venue parler ici. On regarde ici. Vous connaissez quand Lolo avait fait les produits avec les petits enfants pour les cheveux crépus. Les cheveux qui étaient là. C'était l'œuvre de Patrice Abel. Mais comme elle harcelait beaucoup Lolo, Lolo a dit que non. Tous les produits que Lolo vendait, Lolo a tout mangé l'argent. Lolo n'a même pas donné 5 francs. Quoi vous voyez là, l'histoire que vous voyez ici. Eh oui. Les petits cheveux là, c'était où c'est Gloria, où c'est Gloria, où. Parce que quand elle finit là-bas avec un Kankam, après avoir volé le nom de Kankam, FL ou c'est FL ou c'est quoi, qui elle va chercher la bonus de Kankam qui est qui? Le nom Fouja. Elle fait les business avec le nom Fouja. Oui. Vous voyez, non?
Ça commence par deux semaines, entre pas. Nous, vous allez la menacer. Elle que c'est sorti à Facebook. Qui savait que le produit Gloria, c'était Patrice Amène. C'est elle-même. Le jour qu'on a signé le contrat ici, pasteur supérieur, tu étais là le matin. Tu étais là. Je me souviens, non? Ici. Elle a parlé. Eh ouais, Lolo, oui. Elle a dénigré Lolo un moment qu'elle est. Aujourd'hui, elle dit quoi? Tata Lolo! Tata Lolo! Eh oui, les produits Gloria, des petits enfants avec les cheveux noirs, crépus. Qui était l'auteur? C'est toi, non? Il faut nous parler de ça. Donc, pasteur supérieur, quand tu vas la framponner, demande-lui. Mais malheureusement, toi, tu aimes Lolo. Lolo, c'est ta patronne. Elle t'envoie les mises étoiles, elle t'envoie les choses et tout. Toi, tu es mon frère du village. Mais tu as choisi la route des bananes. Donc, continue avec eux. Moi, tu peux venir d'habitude direct, mais moi, je ne viendrai plus jamais d'habitude direct. Tu as vu comment ça s'est passé ici? Hey, vraiment. Il y a un système sans dans la vie. Mais moi, je ne vous mens pas. Depuis janvier, depuis là, l'histoire de Céline, là, qu'elle sort de me chercher à 2h du matin, on est parti boire là-bas. Elle a fait un semblant de direct, comme quoi. Elle a expliqué comment j'ai bu 2 bouteilles de vin, comment je me suis comporté. Alors que j'ai bu 1 bouteille de vin. Et je buvais avec Stéphanie, là-bas, où on était là, avec les tapis rouges là. Elle a bu 2 bouteilles de champagne seul. Parce que quand on dit que alcoolique, il y a les gens qui ne le montrent pas ici. Lolo boit. Elle boit. Okay. Elle boit jusqu'à quel danger comme ça. Oui. Posez-vous la question. Pourquoi ce jour-là, Black Beauty avait son téléphone. Lolo avait son téléphone. Moi, j'avais mon téléphone. Pourquoi c'est dans mon téléphone qu'on fait le direct? C'était déjà un coup préparé. Oui. Oui. Ils sont venus me chercher ici. J'étais dans quel état d'abord? Imagine qu'à l'heure-ci, ils venaient me chercher comme pas boire et tout. Je vais rentrer. Je me comporte comment? Dans la vie, vous faites, maman. Okay. Je ne parlais plus avec toi. Go, j'étais payé. Tu me payais pour être ami avec toi. Maman, quand on dit ami, tu me la boucles, pauvre boulot. Mais comment je peux être boulot? Pauvre boulot. Qui est au pouvoir au pays? C'est un boulot, non? Ça, on dit maintenant. Alors? Donc, c'est toi qui la boucle. Elle est d'accord, là? Boulou et Kampawa. Vous voyez. C'est comme ça, après, quand je vais insulter les barbecues, on va dire que oh, j'ai insulté les barbecues, je n'aime pas les barbecues. Voilà. Je te bloque pas, hein. Boulou. Depuis 40 ans, un boulou, rien à étudier. Ce qui est sur sa habileté. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Donc, continue. Ah, mais suite, si tu veux. Mais je n'entre pas dans ton jeu. Les Bamiyeke sont mes amis. Mais il y a les Bamiyeke sur la toile, c'est que Pipitolo. René Bio, la chèvre. Et la mammouth, là. La petite dernière qui est arrivée là. Le petit là. Moi, je ne peux même pas le mettre dans l'eau. Parce que je pense qu'il cherche encore sa voix. Tu es insulté ton président. Pour bien qui? C'est un boulot, non? Alors, vous avez fini de casser les ambassades.
Il faut bien regarder. Moi, je parle des choses ici. Quelqu'un vient m'insulter. Je ne te bloque pas. Élise, tu as comme sou. Je ne te bloque pas parce que je pense que tu es un primitif. Tu es né chez les boules. Je ne connais même pas la route qui part encore à l'ouest. Tu m'entends? Mais moi, je connais là où je suis né. Et je connais le nord. Insulte. Parce qu'il faut que tout le monde voit comment ça commence ici à Facebook. Vous avez fait un coup monté pour ne pas ne pas Didier. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est que pauvre boulot. Je ne suis pas pauvre, tu as vu. J'ai ma tour Eiffel. Hein? J'ai ma tour Eiffel. Quand j'ouvre la porte, là, l'air. L'air bio. Tu m'entends? Vous êtes des agitateurs. Vous venez acheter quelqu'un pour insulter. Je ne peux pas insulter Bamleke. Moi, j'ai trois Bamleke que je néglige, que je insulte leur race de porc à Facebook. Le reste, là, je ne connais pas. Je suis bleu et fier de l'être. Tu as vu ma vidéo tout à l'heure? Je suis parti payer. Je suis parti payer les tissus d'un quoi? Les tissus des écrans. J'ai payé. On a cousu. On m'a cousu ça. Dimanche le 30, s'il plaît à Dieu, tu vas me voir la soirée de Banganté d'une dé. Tu entends? Je serai là-bas. Invité d'honneur, veuve joyeuse. Même si ce n'est pas mon nom, ce n'est pas grave. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a une soirée de Bamleke là. Est-ce que je vois les stars de la publicité? Non. C'est une pauvre boulot qui fait la publicité. Eh oui, la vie c'est comme ça. Attends, je vais faire encore la publicité. Je souffre d'écouter. Hein. Battery 5. Connected to Galaxy IQ4. À l'occasion de l'inauguration de son bagne, le 30 avril 2023, de 19h à l'aube, au 5 avenue Henri Bergson, 92 600 à Signières-sur-Seine, l'association des Maisons Mères Paris organise une soirée caritative sur invitation. Tenue traditionnelle conseillée. Le prince Yazoub Bézinia, père fondateur des associations des Maisons Mères. Madame Larissa Petnga Kamda, présidente des Maisons Mères Paris. Monsieur Tchalé Adolphe, président du comité des sages. Madame Fossou Liliane, secrétaire générale. Partage, partage la page. Trésorier général. Madame Caroline Boutor, présidente de comité. Les membres d'honneur des Maisons Mères Paris. Léopold Moyou, Manveu Virginie Nucha, Manveu Karine Claire Ntolo. Les invités prestige Macabo, Yamsi Augustin, Hubert Chana. La reine-mère, Manve Alice Ngassa. La présence des représentants des chefs supérieurs des 13 villages d'Undé sur la place parisienne. La présence des reines-mères d'Undé sur la place parisienne. Avec les artistes Benzinia et autres, ainsi que la participation des associations dans la région parisienne. Au platine, Didier Magellan, MC, Narcisse Takam, photocaméra, Brice Mbatio. Invité d'honneur, le couple Prisiemout. En collaboration avec des Maisons Mères Paris. Des Maisons Mères Douala, des Maisons Mères Yaoundé, des Maisons Mères Baganté, des Maisons Mères Mougo. Voilà. Je suis invité surprise. J'ai payé mon tissu. On a dit que nous tous on doit s'habiller. Tenue traditionnelle. Oui. Même là où j'ai acheté chez Moussa, le tissu chez Moussa, il l'a reconnu. Notre tissu des camps. Je vais porter avec les chapeaux. Et oui. Vous allez porter votre ndop. Moi, je vais porter mon tissu. Et oui. Parce qu'il y a un tissu qui existe. Parce que nous, on. Pour moi, c'est que nous, les écrans et tout, on méprise un peu la tradition. Quoi. On n'est pas trop traditionnel comme vous, les Bamlekés. C'est tout. Il faut comprendre que nous aussi, on a notre tissu. Et vous allez me voir, je serai belle. On va venir me maquiller ici.
la beauté de ça. Oui. Et le même jour, là, je vais rentrer soit le 29, soit le 30. On va commencer par parler d'autres émissions. L'émission des veuves, les 30. Et après, je vais aller honorer un quoi dans une soirée organisée par les Bamlegi. Tu m'entends? Je suis une pauvre boule. Et alors? Tu viens chercher quoi ici? Tu vois, Cam? Tu penses qu'en insultant, ça va changer quoi? Hier, j'étais à Château Rouge. J'étais entouré de qui? De Bamlegi. Tout le monde m'a embrassé. Ils m'aiment comme je suis. Ils connaissent comme je suis. Et que c'est la première fois que j'insulte les Bamlegi à Facebook. Ils me connaissent que je suis comme ça. Quand ça ne va pas, je finis avec eux. Oui. On a organisé un guet-apens comme à Carcassonne. La femme que vous voyez là, c'est une Bamlegi. Mais elle est née à aider à Macaque. C'est tout. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur la toile. Que vous ne connaissez pas. Toi, tu as ton copain. Et Christian de Monaco, merci. Tu as ton copain. Est-ce que c'est normal que tes copines ou tes amis appellent pour savoir si c'est vraiment ton copain, pour savoir est-ce que c'est vraiment sa maison, par rapport à quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? C'est normal, vous serez content, vous? Tout ça orchestré et organisé par Pipi Toloko. Moi, je ne parlais plus avec elle. Oui. C'est elle qui m'appelle. Je me moque. Quand j'avais dit que non, j'ai dit je veux voyager pour aller à Carcassonne. Donc elle m'appelle vers 11h, mais je ne réponds pas. Quand j'arrive à Carcassonne, elle me dit tu es où? Je dis que non, je suis à Carcassonne, je suis dans la chambre. Je suis fatigué. Donc tu es parti encore voir ton type là? Je dis que parti encore voir mon type comment? Elle m'a dit. Je suis désolé pour ce qui t'arrive. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et moi, j'ai eu la impression que la dernière fois, j'ai vu que tu étais à Paris, tu n'es pas venu me voir et tout ça. Elle m'a dit que non, c'était juste un truc comme ça. Elle m'a dit que oui, j'ai vu une vidéo là où les gens t'insultent à Facebook, là où il y a ton vieux blanc derrière. Donc, tu es encore avec lui? Il dit que, bien sûr, je suis avec lui. Elle me dit, ah bon? Je dis oui. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc, dans leur tête, il y avait déjà un complot. Laisse tranquille. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, j'ai une émission dimanche. Je veux lancer ma télévision dimanche. J'ai invité Marie-Christine Boumouzine et toi. Je dis que, mais Lolo, mais pourquoi tu vas parler? Il faut me dire ça avant. Si je me disais ça avant, j'allais pas venir à Carcassonne. Elle me dit, mais tu peux venir. C'est comme ça que moi, je contacte Marie-Christine. Marie-Christine m'a dit que quoi? Moi, je n'irai pas. Parce qu'il y avait aussi le problème. Il y avait eu les grèves. C'était un moment qu'il y avait les grèves et tout. Ici à Paris et tout. Donc, elle m'a dit que ok. Fais une petite vidéo pour booster mon truc. J'ai fait une petite vidéo, j'envoie. Elle me dit que oui, comme aujourd'hui je serai en direct et tout, demande à tes warriors aux gens de venir m'encourager. Et moi, bête comme je suis, seul et m'asseoir. Connectez-vous à 18h, il faut faire ceci, et l'autre, je serai en direct. Elle a fait le direct. Elle a pensé à moi. Non. Je suis en croisée. DJ m'appelle. Il me dit, apparemment, il y a une vidéo qui circule que tu m'as filmé, tu as mis les réseaux sociaux. J'ai dit, mais Didi, comment tu es au courant de ça? Il me dit, oui, il y a une Camerounaise qui me dit que je connais ici à Carcassonne, qui s'appelle Christine et tout,
Ils te cherchent et tout. C'était un truc de ouf. On s'est moqué de moi. Tout le monde s'est moqué de moi. J'arrive comme ça, je vois la femme. Mon deuxième mec, je connais un peu la femme aussi. Elle m'a donné un coup ici. Je n'ai pas compris. Vous savez que comme je suis une femme, que moi j'ai tué mon téléphone partout, je filme tout. On s'est tiré là par terre. Elle voulait deux choses. Soit prendre mon portefeuille ici, que vous voyez ici, soit mon téléphone. Et quand la police arrive, moi je l'avais dit que ouais, ma soeur, donne-moi mon téléphone. L'histoire finie. Elle dit que non. La police n'est qu'arrivée. Et DJ a appelé la police. La police est arrivée. Quand la police est arrivée, on nous a séparés. Elle a couru à l'intérieur pour prendre son sac. Là, une femme policière me voit. J'ai dit, écoutez, madame, j'ai expliqué un peu l'histoire et tout. Elle ne comprend pas parce que le jour, j'étais un peu saoul et fatigué, vous voyez un peu. Et après, maintenant, j'ai dit à la dame qu'il ne faut pas la laisser partir parce que elle a pris arraché mon téléphone. Quand la pousse l'arrête, elle est partie. On lui dit, madame, il faut remettre le téléphone à... Elle dit carrément que non, elle n'a pas mon téléphone, elle n'a pas mon téléphone. C'est comme ça alors que on fouille, on trouve mon téléphone. On vient me voir. On me dit, madame, est-ce que vous voulez porter plainte? Moi j'ai dit non. Je ne porte pas plainte. Je n'ai pas compris. Et puis je m'ai confondu avec une autre dame qui est là-bas à Carcassonne, avec qui j'avais parlé de nous, avec sa petite fille et tout. Il y a les choses. On n'embrasse pas n'importe qui. Cette femme-là, je l'ai rencontrée à la gare de Carcassonne. Oui, ma voix, c'est tout et tout et tout. J'ai dit que tu es d'où? Elle me dit que ah, je suis Bafan, mais j'ai grandi chez les Bassa. Oui. Au même, moi, je laisse mon sac. Je vais pas prendre l'eau. Et les, comment on appelle ça? J'ai pris l'eau et j'ai pris ces deux petites boissons pour voir dans le train et tout. C'est tout. Elle me dit, la prochaine fois que tu viens à Carcassonne, appelle-moi. Et moi, je lui dis, ma soeur, si je t'appelle, parce que c'est pas grave, quand tu me verras en direct, l'histoire-ci, c'était en août 2022. J'ai fait combien de tours à Carcassonne, vu qu'elle me suit? Pourquoi elle ne m'a jamais appelé? Je n'ai pas compris. L'histoire a eu lieu sur moi. Pourquoi? Comme je dis, oh, les filles, venez faire les tchin-tchin ici à Carcassonne. Venez faire ceci ici. C'est là que ça commence. Vous êtes les chefs d'œuvre quelque part. Vos sœurs sont là. Je vous dis que, mais moi j'ai déjà parlé une fois. Ceux qui ont l'argent, allez ouvrir les épiceries. Là-bas. Il n'y a rien pour les Camerounais, pour les Noirs à Carcassonne. Pour payer le piment, il faut attendre les Chinois. Béni. Même vous. Il fait de la loi, allô. Maman, ça paye. 150 euros par semaine. Une chambre. On ne sait même pas qui entre ou qui sort. Quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Allez un peu faire un tour de ce côté-là. Là-bas, il faut voir les Espagnols. Maman, les fesses refaites, les cinq. Le ventre, la facture de gâteau, c'est une merde. Mais quand tu manges en route, tu ne vois jamais. Quand tu rencontres les Noirs, ils sont comme s'ils venaient de descendre de l'avion. Les boutons partout, les yeux là-bas, ils sont comme s'ils sont mariés. Rare!
quand tu marches, tu racontes une femme camerounaise qui est belle, même pas camerounaise, une noire. Mais il faut voir là-bas. Massa. Vous savez que ici en France, il y a les restrictions, comment dire, ou c'est. On appelle ça, comment on dit cela. On appelle même cela comment. Les sites là, ou annonce. Là-bas, ça marche. Là-bas, ça marche. Mais il faut avoir la puce espagnole. Hein? Tous les sites qui sont restreints ici, ça marche. Parce que là-bas, c'est la frontière entre l'Espagne, Narbonne et tout ça. Ça marche. Hein? Les filles là-bas travaillent. Quand vous voyez souvent que je sors souvent comme ça, je me promène, je regarde tout. Oui. Bonjour, ma personne, comment vais-je? Oui, allô, pays en province. Mais oui. 200 euros par semaine. Une chambre. Combien tu vas avoir? Maman, même si c'est Ngoma, Ngoma. Parce que c'est 4 euros, c'est Ngoma. Ngoma, Ngoma, Ngoma. Mais au bar, je ne vous manque pas. Et vous savez que moi, je suis très curieuse. C'est comme ça que je m'en vais, je me fais des amis partout. Parce que vous savez qu'en fait, cette histoire même de DJ là, la dame là, Christine, c'est même pas qu'elle voulait parler de DJ ou m'humilier. Oui, j'ai été humiliée. Mais, c'est le fait que j'ai commencé à me faire des amis avec les patrons de Carcassonne, c'est-à-dire que les patrons, c'est-à-dire que les gens qui sont, qui ont des bars à Champagne, les gens qui, les femmes qui sont influentes là-bas, ça n'a pas plu. C'est tout. Elle voulait seulement, mais oui, elle m'a humilié. Il y a certains bars que je n'entre pas à Carcassonne, je n'entre plus à Carcassonne. Oui. Je n'entre plus. Et quand j'arrive quelque part, tu vois, les gens m'évitent, les gens me regardent comme si c'est ce qu'elle voulait, c'est tout. Mais moi, je suis monté au-dessus de là. Je vais arriver à Carcassonne. Ça va être un changement total. Je dis total. Elle insulte ma petite fille. Elle peut vendre sa petite fille pour une conso de chardonnay. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as pris ma petite fille, tu l'as embrassée. Elle a même donné un peu d'argent à ma petite fille pour payer les couches. Et le même soir. Oui, elle a cru que, elle m'a vu, elle m'a appelé, elle a cru que elle est mon amie. Ma chérie. Moi aussi, j'ai mon argent, mais je ne montre à personne. J'ai mes gens qui me donnent des petits sous dans le noir. J'appelle que ma, c'est chaud ici. On m'envoie un petit rire, on m'envoie un petit Western Union. Nous tous sommes une personne qui peut nous tenir la main. On se dit, oui, je voulais tenir la main ici à Carcassonne. Elle n'a pas voulu. Moi, tenir la main à Carcassonne. Combien de fois je voyage à Carcassonne pour aller voir mes enfants? Depuis août, tu sais que je suis sur place. J'ai mon numéro à Facebook. Tu ne m'appelles pas. Mais, comme j'ai monté la piscine, j'ai monté l'hôtel, c'est là que ça énerve tout le monde. Que ça soit pour DJ ou pas, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le Jen, les loulous. Donne-moi carrément, donc tu es encore avec lui. Je dis que, mais il y a un problème, je suis toujours avec lui. Je me suis battu, je l'ai récupéré. Et il est avec moi. Si je le parle bien, 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 est-ce que vous allez me voir avec lui ici à la soirée du 30? Peut-être s'il veut venir, il vient avec moi. Vous allez voir pas DJ en vrai. Vous savez, c'est un monsieur, il est intellectuel. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Tu vois, il connaît le monde, il a beaucoup voyagé, vous voyez un peu. Donc, il m'apprend beaucoup de choses. Comment se tenir à table, comment faire. Il m'apprend beaucoup de choses. C'est ça. On n'est pas uniquement avec un homme parce que, oh, l'argent. Non. Moi, j'aime ce type. Parce qu'il est... Il est un homme que j'aime bien. Il m'apprend beaucoup de choses. Même le tissu, même le don. Il va te parler du don. Parce que c'est un intellectuel. Il
Il a beaucoup fréquenté, il connaît beaucoup. Il connaît le régime africain, il connaît un peu tout. Hein. Il connaît un peu tout. C'est tout. Il y a quoi? Même si j'ai raconté ce type-là, les voyous de la gare, même s'il a quel âge, 80 ans, ou 100 ans, il travaille encore parce qu'il a la force, il peut travailler. Quelqu'un est chez lui, vous venez déloger à Facebook. Vous croyez que je suis seul? Non, il ne peut même pas venir. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Il y a les gens qui m'ont invité avec lui. Que la veuve invite-la à Paris. On va vous loger à l'hôtel. Vous serez à l'hôtel. Mais oui. On a tout fait. Est-ce que c'est quoi ça? J'ai compris que mon succès, j'en aime pas. Cet homme m'a humilié, j'avoue. J'ai été humilié. Après, ils ont voulu tourner ça. Oui, parce que tu as insulté Bamleke. Non. Mais j'ai dit que c'est une Bamleke. Rodiane est qui? C'est une Bamleke, non. Qui a commencé l'histoire-ci? C'est Rodiane, non. Qui a pris ensuite? Lolo, non. Avec Amon la chef. Amon la chef, carrément, a mis Didier dans son frigo. Je veux kidnapper ton frigo, là, tu vas voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a mis carrément mon histoire. Quand ma mère était tombée malade ici, elle a écrit que aucun Bamleke ne doit m'aider. Je dis pardon. Donc, vraiment, à Facebook, si vous croyez comment tout le monde dans le game là, il y a Bamleke. Aucun Bamleke ne m'aide par rapport à quoi? Voilà alors votre frère Benzia. Il a sa soirée. Hein? Comme le 30. C'est un peu bizarre. Hein? Je n'entends pas les publications. Je n'entends pas qu'on parle de lui. Hein? Et la seule personne qui fait la plus, c'est qui? C'est la veuve joyeuse. Alors que ça, c'est un truc. Il y a même les chefs Bamleke. Alors que qui? Lolo, Ndé. Odian, Ndé. Un mois, la chèvre, Ndé. Vous tous. Même la mammouth, là, Ndé. Vous tous. Mais vous avez les pages. Pourquoi vous ne faites pas la publicité de cette soirée? Mais qui fait la publicité? La pauvre Boulou. Est-ce qu'on a cité mon nom? On n'a pas cité mon nom. Hein? On n'a même pas pensé à la veuve Joyeuse, mais je l'ai fait. Parce que j'ai grandi avec Benzia à Douala. J'étais avec lui dans beaucoup de temps, tu laissais à Paris. Il m'a invité dans sa chose, à son truc fatigué. J'ai dit que non, je ne viens pas. C'est cela n'empêche. Je fais la publicité. Vous êtes là quoi? Mais je serai là, bien habillé. Je serai là. J'espère seulement qu'il n'y aura pas quelque chose qui va venir tourner, que je ne viens pas. Alors, on a personne à vivre ensemble. Quand j'insulte que sale Bamleke, je ne vous insulte pas, vous les Bamleke. J'insulte les filles qui m'ont fait du mal. Les qui m'ont fait du mal, c'est tous ces filles-là. C'est que j'insulte. Elle passe son temps à insulter. Il y a aussi un truc que je veux pas rigoler un peu avec vous. Comment on appelle? Robert Nganou. Donc, eh ben, mais vous n'êtes pas. Non. Votre solidarité, là, je ne comprends pas. Il y a Robert Nganou qui fait sa publicité, là, c'est des temps. Comme quoi, il a les maisons qu'il a, ou c'est à Bafoussam, ou c'est quoi. Quand il parle de ça, allez voir. Il n'y a personne qui part partager ça. Hein? Il n'y a personne qui like. Il n'y a même pas de commentaires que vous, bravo mon frère. Mais quand il va s'asseoir, il porte son drapeau au corps, il va dire, veuve malheureuse, tribaliste, c'est là que tu vas. Tous les Bamleke vont courir. Vous venez me déchirer. Pour déchirer ma tante, pour déchirer avant. Tout le monde qui est contre eux. Mais il a quelque chose qu'il a fait. Mais il n'y a personne. Vous ne partagez pas ce but. Vous ne partagez pas ces réalisations. Et alors, on joue à quoi là? Vous aimez non entre vous, non? Il faut aller voir, il faut aller dans le but de Roberto Nganou.
Vous allez voir. Quand il ne parlait pas de chambres portes comme nous les gens, il n'y a personne. Hein. Mais quand il porte son dos, il s'assoit pour m'insulter, pour me dénigrer. Tous les bamikés sont là-bas. Les mamans bamikés appellent. Oh, Roberto, vraiment, mon fils, vraiment, on t'aime tout. Mais quand il pose des trucs, il est obligé d'écrire veuve 237. Il est obligé de prononcer mon nom. Même quand il prononce mon nom, il y a combien de vues? 700 et poussées de vues. Combien de partages? Un partage. Combien de commentaires? 3 commentaires. Parce que quoi? Au début, tu dis que oh, la veuve a fait ceci, les gens sont là. Et quand tu changes maintenant que oh, je suis en train de faire mon complexe immobilier à Baganté, tout le monde fuit. Ça sert à quoi? Et vous dites que vous êtes quoi? Même le Ndobla va vous refuser un jour. Voilà votre frère qui a une soirée caricative. Bah oui, moi, m'a invité. Moi aussi, je peux inviter mes gens que je veux que mes soeurs ne dénoncent pas. C'est comme ça qu'on passe. Mais pourquoi vous ne faites pas la publicité de Benzia? Pourquoi? Mais quand je veux dire là que, oh, ça le va tenter, oh, les bangers, que vous allez venir me dire que, aideuse, tribaliste, mais vous êtes capable de faire la publicité de votre propre frère du village. Hein? C'est ça qu'il s'agit? On va où là? Moi, je ne vous lâche pas dans Yota. Un bambé qui me fait que je me dis que tu es bambé, que c'est toi qui m'as fait ça. Tu me tapes que c'est toi qui m'as tapé. La Facebook. Voilà une soirée que votre frère m'a fait. Aucune publicité. Moi, j'ai fait la publicité. À l'occasion de l'inauguration de son bagne, le 30 avril 2023, à 19h à l'aube, au 5 avenue Henri Bergson, 92 600, Assignières-sur-Seine, l'association des Maisons Mères Paris organise une soirée caritative sur invitation. Tenue traditionnelle conseillée. Le prince Yazoub Bézinia, père fondateur des associations des Maisons Mères. Madame Larissa Petnga Kamda, présidente des Maisons Mères Paris. Monsieur Tchalé Adolphe, président du comité des sages. Madame Foussou Liliane, secrétaire générale. Monsieur Yamsi Augustin, trésorier général. Madame Caroline Boukop, présidente de comité. Les membres d'honneur des Maisons Mères Paris. Léopold Moyou, mon vœu Virginie Noutia, mon vœu Karine Claire Ntolo. Les invités prestige Macabo, Yamsi Augustin, Hubert Tchana. La reine-mère, mon vœu Alice Ngassa. La présence des représentants des chefs supérieurs des 13 villages d'Undé sur la place parisienne. La présence des reines-mères d'Undé sur la place parisienne. Avec les artistes Benzinia et autres, ainsi que la participation des associations voilà. Dans la région parisienne. Au platine, Didier Magellan, MC, Narcisse Takam, photocaméra, Brice Mbatio. Invité d'honneur, le couple Prisiamote, en collaboration avec des Maisons Mères Paris. Des Maisons Mères Douala, des Maisons Mères Yaoundé, des Maisons Mères Baganté, des Maisons Mères Mougo. Voilà. C'est ça qu'on appelle le privé ensemble. Comment bon? C'est comment bonjour ma soeur. C'est ça. Moi j'ai fait la publicité. Ceux qui ont les appartements au Cameroun là-bas, c'est gratuit. Vous m'envoyez seulement vos appartements, vous faites un petit truc comme ça. Je veux seulement mettre dans ma page. C'est ça qu'il s'agit. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à Facebook là, oh, dès qu'on insulte, vous êtes là. Mais quand il faut partir voir Robert Ongano, quand il a mis ses appartements, oh, il a fait les appartements, ou ça, bah, ça, c'est quoi. Aucun Bamileke n'a partagé. Il n'y a personne. Mais quand il porte son doc pour venir s'asseoir pour insulter, veuve malheureuse, machin, fait ceci, elle plaît, les blancs, fait ceci. Les gens viennent se moquer. Mais quand il y a les vraies choses, vous ne partagez pas. Et moi, je partage. Je vous ai dit que je n'ai aucun problème avec les Bamileke. Moi, j'ai un problème avec les Bamileke qui m'ont fait le coup pour prendre mon vieux blanc. Moi, je n'ai plus la force de prendre les jeunes blancs là qui vont me fatiguer le cul. Moi, je veux les vieux blancs qui vont me lécher. On fait nos choses là tranquillement. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Tu sois avec un homme. Il faut qu'on aille chercher
Si c'est son immeuble, il faut qu'on aille chercher. Si c'est sa piscine, il faut qu'on aille chercher. Pourquoi? Je ne suis pas comme vous. Vous et moi, on n'est pas pareil. Moi, je sais là où je pars et je sais là où je sors. D'où je sors, j'ai quand même fait quelque chose. J'ai mis les gens, j'ai mis ma famille au propre là-bas, assemblée. Ils vivent dans une grande maison, dans une demeure. Villa, tout. Je sors de finir mon ampoule rouge. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai mes projets. Vous ne me voyez pas sortir dehors. Vous ne me voyez pas aller des clients qui appellent ici pour qu'on pile ensemble. Non, j'ai ma vie. Voilà, alors votre frère, Benzi, il est là à sa soirée. Il est bagaté, vous êtes où à Facebook pour aller là, l'encourager. Rennes mes bio. Je veux kidnapper ton frigo là. Je suis sûr que le jour là, tu vas voir. Je veux organiser un guet-apens. On va prendre ton frigo là. Moi, derrière, tu peux m'insulter toi si. Calmez-vous. J'ai les photos que j'ai oubliées dans un de mes téléphones. J'ai sorti ça. Je veux mettre les photos là. Tu vas voir comment tu baves devant Flore. Je vous ai dit que j'ai un téléphone, c'est que j'ai. Je suis en train d'essuyer ça, en train de charger. Tu vas voir. Quand j'étais enceinte de mon comment on appelle ça, j'ai donné. Même le paille que tu portais, c'est moi. Tu me peux, tu me vaux. Ton mari est où? Quand m'a fini avec ton mari à l'hôtel, il est où? Ce qui te reste, c'est le frigo. Ta frigo. Je veux kidnapper. Attends. Je vais envoyer les gens casser ton frigo là. Monte le frigo. Aujourd'hui, si tu as le frigo là, tu as vu ça comment? À force d'insulter un Kekam, matin, midi et soir, et les détracteurs d'un Kekam qui ne l'aiment pas, envoient les étoiles. Tu avais combien par mois? 6 000 euros ou 7 000 euros, un truc comme ça, que tu avais, sans compter les publicités. Aujourd'hui, on est où? Tout ce que tu as pu prendre chez un Kekam, c'est le frigo. Je déteste ton frigo là, tu ne peux pas savoir. Ne me mets plus jamais dans ton frigo là. Je veux qu'il. Je dis que. Ouais. Si j'avais une personne qui pouvait me faire venir au Canada, j'arrive au Canada là-bas. J'allais entrer chez toi. Tu as vu comment je suis habillé là. Regarde. Comme le chat. Tu as vu. J'ai entré, c'est comme dans les films. Je viens, je casse. Boum, 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 je casse tout. Je vais voir. L'héritage d'un Kekam, ta frigo. On vous chasse quelque part, ça devient la guerre. Ouais, je suis victime de ça. Je me voici victime. J'ai dit que je suis plus dans les ténèbres. Me voici qu'on tue tous les jours. Regarde-moi. La dernière qu'on appelle celle qui chie sur elle et pisse sur elle. Sylvie Teignet de mes fesses. Avec son mari gigolo. Tu sais, Sylvie Teignet, peut-être que tu ne me connais pas très bien. Quand je décide sur une personne à Facebook, je m'en fous. Peu importe si tu as raison ou tu as tort. Quand je dis que je te prends pendant une semaine, toi-même tu vas te calmer seul. Et j'ai décidé que je vais te prendre ces jours-ci. Tu entends? On va voir. Toi, tu écris l'écran français hein, à Facebook. Moi, je ne sais pas écrire. Moi, j'ai dans ma bouche. Si tu tentes encore, je vais venir filmer là où tu vis, chez les bouses là-bas. Et moi, c'est tu m'insultes, moi. Et ma menace, je vais droguer, je vais machin, hein, j'ai ton rib. Maman, mets mon rib à Facebook. Tu m'as dit, envoie-moi ton rib, j'ai envoyé le rib. Que tu m'envoies l'argent. Ok. J'attends, alors que tu envoies l'argent, je vais regarder mon compte, il n'y a rien. Après, je dis que ma cause, c'est comment tu as envoyé. Ah non, tu sais, moi, je suis un peu malade, je ne peux pas envoyer de l'argent. Il faut que mon fils rentre pour envoyer l'argent. Après, elle me dit, mais tu as ta carte PCS, non? Je dis oui. Tu m'as envoyé 100 euros. 100 euros. Les 100 euros là sont là. Que tu m'as envoyé. Par PCS. Et tu oses parce que tu as les choses sur moi. Mais, mon rib à Facebook. Je vais te montrer que je contrôle la France. Je ne suis pas n'importe quel pauvre veuve. C'est vous qui me traitez. Et c'est seulement fait Pâques. Tu vas te suicider seul. Vous aimez entendre.
Tu crois que avoir les rêves d'une personne, c'est quoi? Je peux partager mon rêve à tous les... Même, je peux même mettre mon rêve sur les réseaux sociaux. Ils vont faire quoi? Ils vont pirater quoi sur ça? Ils vont faire quoi? Je suis à la CIC. Tu entends? Ils contrôlent tout. Quand ça ne va pas, ils contrôlent. Et demain matin, je veux t'amener à la CIC. Tu vas voir si j'ai encore les histoires là que vous dites là que j'ai. Regarde-moi celle-ci. Je dérange qui ici? Je suis chez moi. Je ne dérange personne. Si je prends mon débat ou je fume ma cigarette, que je bois mon coup, ça dérange qui? Vous avez à décider sur moi. On ne décide pas sur moi, Sylvie Tenier. Je veux finir avec toi. Toi et moi, c'est bango bango. Regarde-moi les vieilles femmes comme ça. Mais attends, fais un direct. Tu montres à quoi tu ressembles. Je t'ai vu la dernière fois, j'étais comme un gros putain, qu'est-ce que tu étais belle, hein? Tu ressemblais à un mammouth. Tu parles à qui? Hein? Dieu t'a puni. Le cœur fait mal. On te nourrit par les sondes comment ça se passe, comment les blancs font là pour descendre. C'est là. Cathéter. Parce que si tu parles fort, parce que je veux te précipiter à la mort. Tu ne me connais pas très bien. Tu parles, moi. Je ne suis rien. On me tape partout, ça ne fait rien, mais je me défends. Tu m'entends? Oui. Toi aussi, tu vas m'insulter, toi. Tu es quelqu'un, toi. Tu es parti là-bas chez Ngossa. Et comme Ngossa demande beaucoup d'argent, tu as donné l'argent. On t'a appelé milliardaire. Et tu croyais que comme tu es milliardaire, tu vas être chroniqueur là-bas. Tu vas commencer. On t'a mis à la porte, on bam. Que tu viens voir? Avez-vous joyeuse? J'étais tellement étonné. Tu m'as insulté combien de fois? Il y a le poste que tu as mis sur moi, sur mes enfants, sur moi. Et que je te calcule, non. Mais le tout, si je te calcule. Je dis que comme je sais ton état de santé, tu entends, non? Je vais te précipiter au précipice de la mort. Tu ne me connais pas très bien. Je vais te prendre matin, midi et soir. Tu vas me porter plainte. On va aller au tribunal. On va voir qui a commencé l'autre. Mais vous me prenez pour qui? Parce que je n'ai pas une team? Parce que je n'ai pas un mari? Parce que je suis une pauvre veuve? Parce que je vis seule? C'est parce que tout le monde veut me tuer? Par rapport à quoi? On vous a dit que les teams sont faciles. Je ne suis dans aucun team. Je ne sais même pas qui est Warus ou qui n'est pas Warus. Je sais seulement que quand je marche, tout le monde me salue. J'étais tellement étonné aujourd'hui quand je partage tout le monde. Tu vois, j'ai tellement embrassé plus de 30 personnes. Warus, j'étais étonné, les gens même. Ça prouve quand même qu'il y a les gens qui me suivent, les gens qui m'aiment, qui m'adorent quand même, malgré tous mes fracas. Il y a même une dame, Bameke, qui m'a dit, je t'aime beaucoup, Warus, mais n'insulte plus les Bameke. Je lui ai promis que non. Je lui ai dit que non. Je n'insulte pas les Bameke, j'insulte les Bameke qui m'ont fait mal sur la toile. Le reste des Bameke, je ne vous connais pas, je ne vous insulte pas. Ne mélangeons pas tout. Elle a compris, m'a dit qu'elle veut la paix. C'est tout. J'étais chez Tchitcha aujourd'hui. J'ai filmé Tchitcha. J'étais là. Tu avais quoi ma queue chez les Bameke, comme une reine. J'étais chez ma soeur, Julie, à la tendrerie. Vous avez vu? Les gens sont venus me voir, je les ai amenés. Ils ont mangé. On a passé un bon moment. Après, on s'est séparés. Ils m'ont déposé chez moi. J'ai dormi. Me voici ici. Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez me promettre quand tu sors de Tabasiki. J'ai déjà promis que... Laissez. Même si bagarre avec une personne, tu m'attaques par surprise. Je prends mon téléphone, je donne à quelqu'un que filme l'histoire-ci. Quand je veux tirer quelque chose, que je m'assois sur toi, vous savez, mes dents, que je t'arrache le nez, c'est là que vous allez comprendre. Moi, je vais filmer, c'est pas ça. Il y a quoi? Ça ne chauffe pas. Vous croyez que c'est comme nous sommes les soi-disant les stands à Katalakon et tout, que tout le monde va venir nous insulter par rapport. Par rapport à quoi? Voilà alors. Voilà les gens qui vont vous aider. Vous cassez tout. On va vous aider, vous cassez tout. Moi, j'ai aidé combien de stars ici à Facebook? Lolo, j'ai aidé. Je ne prononce pas les autres noms. Valérie, ouais. Pour les faire le nom des enfants. J'envoie. Oui. La seule personne que j'ai aidée, elle dit quoi? Ouais. Tu m'as envoyé l'argent pour être mon ami, payer l'amitié. Alors que je lui envoie l'argent pour les pommes de terre. Les pommes de terre. Elle voulait manger. Ça, ce sont les pommes de terre, les riches, parce que c'est rouge. Les pommes de terre, bien, pour manger. Et elle ose dire.
Comment tu trouves une personne, une main qui te, une main qui t'aide, Tu coupes la main là. Alors, comment on va encore t'aider? Attends. Si Lulu était calme et sage comme sa copine, qu'on appelle Kankam, où est-ce que Lulu est loin aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a même plus de loi plus que Flore? Mais oui, parce que quand tu parles avec elle, elle a les bonnes idées. Vous voyez, elle parle bien, elle a les bonnes idées, mais après, il n'y a rien. Elle ne fait pas ça, elle ne dit pas ce qu'elle a fait. Combien de fois qu'on l'insulte, elle dit que Lolo sort, fais un direct, sort. Non, elle ne veut pas sortir. Après, j'apprends quoi? Non, je ne veux pas insulter, je ne veux plus faire. Parce que mon compte, non, tous nos comptes sont, même le compte ici est restreint. À cause de moi. Parce que quelqu'un m'a insulté, je suis parti insulter comme on porte là-bas. On m'a dit, on m'a insulté. Donc ma page est restreinte. Ma page est très restreinte. Si la page s'est arrivée même au mois d'août, sans qu'on bloque, je veux dire alléluia. Oui. Mais vous savez qu'il faut tuer, se défendre. Peu importe. Regardez les avocats, par exemple. N'est-ce pas les avocats défendent les Dracula? Un avocat sait très bien que ce monsieur a fini avec l'enfant. Mais il va quand même trouver les petits circonstances atténuantes pour dire que c'est la victime. Même si c'est un bébé, que la victime souriait beaucoup, parce que l'enfant souriait beaucoup, c'était un appel à la fornication. Il y a beaucoup de choses. Les avocats, vous savez comment on les enterre? Nous, on les enterre comme ça. Les avocats, on les enterre le visage au sol. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé. Ils n'avaient pas le droit de juger. Mais bon, à force de ce qu'on dit, hein, ils ont le serment d'Hippocrate, je ne sais pas quoi. Ils font là, le docteur, et ça, ça. Quand elle est rentrée du Cameroun, on m'a chassé dans une tontine ici. Hey, mais Waros, pourquoi? Dans le groupe là, on avait mis la vidéo de Flore. Là où Flore disait que, oh, Lolo. Moi aussi, je prends la vidéo de Lolo, je dis que non. Lulu n'est pas en prison. Là, voilà, qui est en train de boire avec un monsieur là. Maman, on ne met pas les vidéos ici. Maman, on ne m'a pas demandé mon avis. On m'a retiré du forum, la tontine. Et après, on m'a retiré la tontine. J'ai demandé mon argent. Ils ont commencé à faire les problèmes. J'ai commencé à tirer mon cabot ici au sol. Elle, on m'a retiré dans une tontine. À cause de qui? À cause d'elle. Elle ne pense pas à ça. Elle est au Cameroun là-bas. J'ai appelé matin, maman, ça va? Ah, ça va. Je me dis que si ça ne va pas, tu me dis, moi j'appelle quelqu'un là, on te délivre et tout ça. Elle peut faire ça pour moi. Lulu est tellement égoïste. Égoïste. Que voilà ça. Voilà sa soeur. Même si elle va tirer les balises à Washington, ce n'est pas grave. Elle part quand même le vol. Le fleur de l'île part partout dans le monde. Mais toi alors, pourquoi on ne t'invite pas aussi, que tu pars aussi un peu? Une fois, moi, je n'ai personne qui peut m'inviter, ce n'est pas grave. Et vous êtes tous quoi? De l'Ouest, vous êtes tous quoi? Bamileke? Pourquoi on privilégie une Bamileke par rapport à l'autre? Je ne demande pas pourquoi. La soirée-ci, quand elle est là-bas, elle est aussi invitée, c'est plus avec vous, ça. Hein? Si elle vient ou pas, je m'en fous. Moi, je serai peut-être là-bas, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Tu vas voir. On ne t'a jamais invité dans une soirée ici qu'on dit qu'on veut inviter Lolo. Lolo est invité d'honneur. Jamais! On ne t'a jamais invité quelque part. Moi aussi, je t'aime, déjà. On ne t'a jamais invité quelque part, c'est marrant. Même Ngossa, souvent, on invite même pas Ngossa. Mais quoi, moi, Aka, moi, je suis Fouka Fouka, moi, j'entre où je parle, je m'en fous. Toi, numéro un des réseaux sociaux, tu veux faire tout pour tuer Flore. Ça fait des années. J'avais parlé ça ici. On était, toi et moi, et Lorraine, même quand t'as la voiture. Tu voulais qu'on fasse un truc pour. Où on paye les cas pour tuer Flore. J'ai dit que moi je n'entre pas dans ça. Tu as dit que oui, tu es tué comme ça. Hein? Je ne veux pas que ça. J'ai parlé de ça. Personne ne m'a cru. C'est une histoire qui est vraie. Et Lorraine, même que si c'est une femme, elle va témoigner que c'est vrai. Ça fait longtemps que l'histoire s'est sortie et je ne mens pas. Attends, vous êtes toujours là en train de faire les choses. Hein? C'est quoi? Attends. Regarde-moi, je suis bêtis, je suis écrit, je suis quoi. Dans notre chose là, nous, on se fâche et tout le monde reste dans son coin.
Quand la chicote dans son coin, Doudou et Gaba dans son coin, Elise Bissot dans son coin, chaque personne dans tout le monde dans son coin. Mais on, tout le monde respecte son couloir. De ça qui est ça. Mais toi, Doudou, tu ne respectes aucun couloir. Aucun couloir. Tu aimes la guerre. Tu aimes là où on humilie les gens. Comment tu as été humilié? Tu as été humilié par rapport à quoi? Qu'on appelle ça? Nathalie, quoi? Maman, quand Facebook était à quoi Facebook? On a vu tous les orifices. La nuit sous l'écartement de ça. Elle est passée dessus. Elle a reçu sa vie grâce à ce qu'elle fait. Aujourd'hui, elle est devenue numéro 1 Tisa. Toi, tu es là. Les petites photos qu'on t'a mis. Oh, les femmes qui publient les gens. Toi, mais tu ne vas pas publier nul. Tu ne vas pas publier. Vous vous souvenez à l'époque, il y avait un inspecteur, il y avait un quoi qui s'appelait inspecteur Colombo. Allez voir là-bas. Qui avait ça? N'est-ce pas, c'est toi au table qui gérais ça? Hein? N'importe quoi. Les gens que tu n'aimes pas qu'on les met en prison, hein, on te tue. Ce que tu as fait du mal, mais tu fais comme si tu n'avais jamais rien fait. Hein? On est parti au Cameroun, arrivé à l'aéroport, elles m'ont abandonné. Oui? On t'a abandonné. Donc nous, on va rester là. Toi, tu passes ton temps à te filmer avec les stars du football qui sont dans la salle. Nous, on va t'attendre. Par rapport à quoi? Moi, j'ai décidé que, au nom de Dieu, le tout aussi, elle et moi, c'est non-retour. Toujours jouer aux victimes. Toujours, ta vie, c'est jouer aux victimes. Chaque temps. Mon père est mort. On s'en fout de ton père qui est mort. Il y a aller à YouTube. Il y a ça s'appelle Ashley Lambert. Vous tapez Ashley Lambert qui lave Loulou. Elle a lavé Loulou, rincé avec sa soeur. Parce que c'est une vidéo qui est un peu très longue. Tu vois, je ne sais pas tout canaliser. Et voilà, va aller répondre. Envoie ton chou, ton bichou. Réponds à H. Lambert. Maman, nettoyez. C'est là-bas que j'ai su beaucoup de choses. Et c'est moi, comme je suis seul, je n'ai personne. Oui, et c'est toujours moi qu'on vient agresser. Par rapport à quoi? Rien du tout. Quand on t'a m'avait filmé, j'avais dit, oh, c'était très chéri, fais-moi l'amour. Maman, où t'as mis ça? Où t'as bien te montré, non? Tu as fait la tienne. Hé, tu ne veux pas sortir avec Otam. Otam, ce n'est pas ton cas. Il ne veut pas sortir avec des filles comme toi. Je lui ai dit, Lolo, je sais ce que j'ai fait. Jésus sorti avec lui. Mais, si je ne sortais pas avec lui, comment alors il allait voir cela ou le souper qui me binda? Et je t'ai dit quoi? Il y a des années que, attends, quand le gars là va te faire, tu verras. Et il t'a fait sa propre. Tu n'as plus de dignité. Il t'a fait sa propre. N'est-ce pas, moi, tu m'avais fait la même chose ici. Il m'a insulté, oh, espèce de naine, tu rêves de moi. J'ai fait quoi? Je dormais, je partais au Cameroun le lendemain. J'étais ici dans la chambre. Je suis sorti, j'ai lavé. Président m'a dit, oui. Et je lui ai donné le surnom Ngoubougoub. Maman, avant, si je n'avais pas de page, j'étais à Facebook. Vous savez combien? 5000 personnes qui me regardaient. J'ai lavé ce type-là. C'est comme ça qu'on fait. Tu as déjà fait une vidéo pour laver au tamon un jour. Ben non. J'ai fini. Dès que j'ai payé à filer les réseaux sociaux, pourquoi? À cause de moi, j'ai lavé Dex. J'ai lavé président mon tout. Eh, que c'est mon ami. Il est obligé d'être ami avec moi. Toi, on te lave, on te nettoie. Tu ne sors jamais. Hein, je vais porter. Tu vas porter. Tu vas avoir des papiers. Ah. Vraiment, c'est comme ça. On peut me taper. Tu me tapes. Je viens m'asseoir ici à Facebook. Je dis que on m'a tapé. Ouh, je pleure. Ça a fini. Si vous croyez que vous allez me... Il faut seulement m'égorger une fois. Si vous ne m'égorgez pas, je reste là. Highlander, je vais vous nettoyer chaque jour. Le nom de Google sort d'où? Le nom de Google sort. Parce qu'il m'avait fait... Je suis parti dans une soirée ici, à Nanterre. Quand on nous avait versé le tout dans le visage, là, quelqu'un m'a dit que c'est elle qu'on a versé. Il y avait les Amazones. Il y avait le général Barack. Donc, ils étaient venus là-bas. On est bien train, tout se passait bien. Maman,
C'est moi qu'on a dit ça. On m'a appelé ça. On dit ça. J'ai vomi. Mes yeux étaient rouges comme ça. À la fin. On n'a jamais touché quelqu'un. C'est elle nous qui partait vers eux. Avec Président, on ne les a jamais touchés, on ne les a jamais versés de tout. C'est comme ça que Président m'a dit, ouais, Président, j'ai appris que tu as mis l'argent, donne-moi 200 euros, moi je m'en vais au Cameroun. Il me dit, ouais, il y a ta copine Elise Batten qui m'insulte ces derniers temps, si tu ne me défends pas. Je dis, Elise Batten, déjà, elle et moi ne se parlent pas. Si elle t'insulte, et que je suis obligé de comprendre qu'elle t'insulte, elle dit, je ne la suis pas. Il m'avait arrêté. Attendez, je vous montre une histoire. Vous voyez, à l'époque, j'étais déjà ensemble. Il m'a arrêté comme ça, jusqu'à ce que ses doigts sont restés. Et puis, le jour-là, il y avait Samuel Djiko qui chantait. Il voulait me tirer ou bien me gorger là-bas, je ne sais pas. Il y avait deux Warus qui ont vu la scène. Qui ont déjà appris à montrer. Là, c'est quoi? Pourquoi tu la tires comme ça? C'est quoi? Ce n'est pas bien ce que tu fais, tout ça. Il est parti. Pourquoi? Parce que vous savez déjà qu'il y a des gens, en tout cas, moi, j'entends une soirée. Je ne salue pas les stars. On se voit. On se salue. Même tu peux danser là, je danse là, je ne te salue pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va faire les gens. Mais parfois, quand il y a la boisson, la fin là, on peut faire les photos, on peut s'amuser et tout et tout. C'est comme ça. Et puis, le même jour là, je rentre là, étant sourde, avec 4 heures du matin, je parle et tout. Et il y a une personne qui est quittée ici. Elle lui dit que maman, la voix joyeuse t'a insulté. Maman. Au lieu qu'il vient regarder les vies, alors que j'ai fait un jeu, je dis que ouais, président, moi, toi aussi. Tu m'as fait mal hier pour 200 euros. Bon, comme je fais ça, mes vidéos en rigolant, tu vois. Ou j'ai dit quoi? On est parti. Ou lui qui m'appelle. Vous me dites quoi? Ou bien qu'il regarde la vidéo. Il n'a pas regardé la vidéo. C'est comme ça, alors que. Il m'insulte. Hein. Je suis à Château Rouge. Je suis en train de tuer mon cadet. Je m'arrête chez Céline. Je bois un petit car. Parce que moi, j'aime bien les petits whisky. Tout le monde me regarde. Parce qu'il vient, mais il vient. On s'embrasse, mais. Il y a le jour-là qu'il y avait, il y avait Vassero. Il y avait même peut-être que Fleury qui est passé aussi ce jour-là. Hein? Tout le monde me regarde, mais le gars, s'il est en train de tuer la femme, si elle ne voit pas que les gens étaient étonnés, parce que tout le monde me regardait, parce qu'ils sont amis avec lui. J'arrive ici à la maison, j'ai pris mon et venu me déposer. Je suis fatigué, je mange, je me mange direct et tout, je suis fatigué, je m'en vais me coucher. Les gens viennent me dire que la veuve joyeuse. Puis ils ont monté ensuite, que mais. Vu que tout à l'heure j'étais avec lui au 17e, on a même échangé les mots et tout ça. Comment il se fait, monsieur? Maman, c'est comme ça alors que je dors. Je voyageais, c'était le 3, je voyageais le 5. Je dors ici, j'attends mon téléphone, cric, 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 qu'est-ce qui se passe? Maman m'a envoyé tout, parce qu'il avait, il n'avait pas fait un direct, mais il avait écrit ma biographie sur son mur. Il avait les commentaires. C'est comme ça alors que je pars d'abord aux toilettes, puis d'abord. J'avais un petit whisky ici, je bois d'abord un bon verre de whisky. Bac, sec. J'ai commencé la chambre, j'ai fini avec lui. Je dis que tout le monde entier, pour la première fois que j'ai fait un direct, il y a 5000 personnes qui regardent en direct. Ah, ça c'était grave. La vidéo là a été bloquée parce que je n'ai pas pu jusqu'aujourd'hui, quand je vais dans mes trucs, personne n'a vu ce direct. J'ai lavé, nettoyé. Je crois que j'ai dit que tu t'appelles Pangoumoukoup. C'est comme ça qu'on fait. Quand un homme t'humilie, tu sors de ton silence. Tu l'humilies aussi. Mais là, tu as joué humilié, tu peux humilier autant. Autant, tu as dit que fais tac. Essaie de l'insulter. Il va faire plus que ça. Et tu le sais. Qui? Moi-même, si tu as plus que moi, maman, tout le monde finit à Facebook. Tu peux parler. Les gens que tu veux insulter, c'est les veuves joyeuses. Les Nkankam, les Ngosa. C'est nous, ce sont tes poids. Là où on te fait ça, tu qui? Je dis que même si une femme arrête, il me tape. Je ne veux plus. On m'a tapé, on m'a fait ceci. C'est ça. Et je reste là sur place. Toi, tu es là, dès que ça ne va pas. Tu fais un bon boko aussi. Tu parles, tu es comme les rats palmistes. Tu parles que les rats palmistes vivent sous terre. Ils sortent que la nuit. Allez. Bon, beaucoup aussi, tu es comme ça. Tu restes comme toi. Jamais. Tu me fais quelque chose, je n'avais pas soin ici. Même si j'ai un coup de poing à l'air ici. C'est ça. Être forte. Mentalement. Vous, votre force, c'est quoi? On vous insulte. Quand ça ne va pas, vous allez vous cacher en disant que, hey, vous savez, ma page est restreinte. Nos pages sont restreintes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vit. Il faut se défendre dans la vie. Tu ne te défends jamais.
Mais quand ce sont les conneries des réseaux sociaux où on a payé un petit. On a fait ça, c'est là où tu sois pour montrer. Tu peux déterrer mon mari plusieurs fois, mais je suis resté madame d'Aigrémont. Moi au moins, je veux mourir étant mariée, madame quelqu'un. Toi, madame qui? Aide-moi à vivre là. Moi, j'ai ma toi, frère. Tu crois que si moi j'étais à Reims, je n'allais pas trouver un blanc riche. Avec les potentiels que tu as là, les loulous. Hein? Marco, dis donc, tu as raté ta vocation. Maman, ils sont tous là-bas, les villas, les piscines. C'est la piscine qui vous énerve tout. Là-bas, Reims, c'est la capitale mondiale du champagne. Là-bas, il y a les Dom Pérignon, il y a les Cristal, il y a les Mouettes, et le Perrier, tout c'est là-bas. Les domaines, à perte de vue. Et toi, tu viens d'un appartement que vous. Et tu me parles, moi. Je veux nager avec Pa DJ. Bientôt, n'inquiète pas. Tu ne meurs pas avant. Regarde-moi. On est pareil. On n'est pas pareil. J'ai connu des beaux milieux, du beau monde. Oui. Moi, je ne rêve pas le consopé que j'ai déjà fait pour ma famille. Toi, si tu meurs maintenant, loulou, qui va t'accueillir au paradis? Même tes parents ne vont pas t'accueillir parce que tu n'as jamais rien fait de bon sur terre. Tu as acheté un terrain au pays, un terrain que tu n'as pas. Tu as construit. Tu as même essayé de mettre de la peinture dans les vieilles maisons de ton père, rien. Tu as fait l'enfant, rien. Tu te maries, rien. Et tu me parles, moi. Moi, j'ai fait ce que Dieu veut. Je me suis marié. J'ai eu mes enfants. J'ai mis ma famille à l'aise. Oui, mes enfants ont acquis une bonne éducation. Oui. Tu crois que ma fille, mes filles, même si, n'est-ce pas, j'étais à Carcassonne. Tu penses que mes enfants n'ont pas vu ce qui s'est passé? Elles sont restées tranquilles. Parce que c'est maman. Demande quoi? Pourquoi je dois montrer? C'est dans ma page que je veux montrer. Donc tu veux qu'on bloque ma page. Voilà. Ben, le produit, c'est Raja Mélanie. Voilà, c'est ici. Ça va arranger un peu ta bouche de Congo, ça là. Ton visage de Congo, ça. Hey, ça c'est Raja Mélanie. Montre comment j'étais à vos temps. Tu veux que je mette? Vas-y, il y a des vidéos, non? Pac, pac! N'est-ce pas, j'avais. Vous vous souvenez même avec Dex, il y a une vidéo là où je suppliais Dex avec une vidéo. Que la vidéo la sorte ou non, je m'en fous. J'ai lavé Dex jusqu'à aujourd'hui. Que, même quand il marche là-bas, comme on dit que, hey, le gars de la veuve joyeuse, j'ai nettoyé. Moi, je nettoie. C'est quoi? Même si que quand tu détiens tes nudités, montre ce que tu es au-dessus de ça. Voilà, Nathalie, quoi, non? C'est pas parce que c'est ton fils qui a mis ses photos et tout. Aujourd'hui, ton fils est où? Elle est où? Alors, manqué. C'est tout. On nous a tous dit, maman. Mais si vous voyez mes photos là, mes photos, et cette photo là sont sorties l'année dernière. On a envoyé ça à Serge Tchamba. Serge Tchamba. Ouais, j'étais comme ça. J'étais belle, maman. Si vous voyez mes photos. Oh. Vraiment, le monde, c'est... Vous savez pourquoi mes photos, les gens ne parlent pas, les gens ne publient pas toutes ces photos-là à Facebook. Pourquoi? Parce que je suis très mignonne dedans. Très mignonne. Les strings qui passent, ma ça. Le corps de ça, les seins de ça. Donc, je vois un peu. Mes photos sont professionnelles et ça ne fait pas trop de buzz. Parce qu'au début, quand mes photos sont sorties, je me suis battue. Tu entends, non? Et j'ai dit que oui, j'ai accepté que oui, c'est moi. Et alors? Parce que vous savez, à Facebook, quand quelque chose soit et que vous savez que c'est vous, mieux vous accepter une fois que c'est moi. Même les injures là, les gens vont plus t'insulter. Mais quand tu commences à faire machin, les gens m'ont fait ceci qui. Nous tous, on a été publiés. La seule personne que je pense qui n'a pas été publiée à Facebook, c'est Ngossa. On n'a jamais vu les photos nues d'Ngossa à Facebook. Oui, sans mentir, Ngospit, on n'a pas vu ces photos nues à Facebook. Là, on a vu. Moi, on a vu. Nathalie, quoi, on a vu. Lolo, on a vu. Oui. Moi, j'étais plus bien nu. Le triangle, c'est moi. Oui. Il faut regarder mes vidéos. Ce qui sort des photos, mes photos là où je suis nu. Si on dit que c'est moi, alors que non, ce n'est pas moi, alors que c'est moi. Oui.
Alors que c'est moi. Parce qu'il n'y a que toi ce qui reconnaît tes photos. Pourquoi mes photos ne... Pourquoi moi je me plains pas à Facebook? Toi-même, Lolo, tu avais la page qu'on appelait. La page, on appelait. Tapait un peu. Inspecteur Colombo. Colombo. Parce que, comment elles sont arrivées au moment-là, elles ont créé une photo pour humilier les filles. Donc, toutes les filles qui partaient faire. Il y avait une femme qui faisait les annonces à l'eau à l'eau. Donc, il fallait qu'on nous filme parce que. Vous voyez un peu, il faut se filmer et tout et tout. Et comme le gars là habitait chez Félicité Fosso, la femme, ici à. Comment on appelle ça, le Vichina, elle habitait là-bas. Donc, comme il baisait aussi avec la fille, et lui, quand. Comme la fille, il avait le code de toute la fille. Boutama fait quoi? Il téléchargeait tout. Si je vous dis, tous les filles qui sont passées là-bas, il tient tout le monde. Il dit, Otam, tiens beaucoup de filles ici à Paris. Mais moi, comment est-ce que je suis dedans? Moi, j'ai dit que tu mets ma page, j'ai fini avec toi. Mais oui. Non, mais que. Quand elle avait dit qu'avec ton. Attends, comme avec ton. Long clitoris qui plane. Il y a un problème. J'ai une photo, je suis en grillage noir. Et puis, il y a un peu les, j'avais laissé un peu le. Comment on appelle ça? À l'époque, j'avais un client qui aimait les poils. J'avais laissé un peu les poils comme ça. Comment elle a su que avec mon clitoris qui pend, ça fait comme un clitoris? Parce que c'était elle. Que, vous savez, le karma existe. Le karma existe, mes waros. Faites attention. Que le karma existe. Ne pense pas que le mal que tu fais à quelqu'un, même si Dieu t'oublie un jour, ça va retoquer sur toi. Un jour. Tu attends. Pourquoi nous tous là, on a été filmés, nus, on s'en fout. Et ceux qui baissent avec les chiens, ceux qui font le porno en direct, tout ce que. Mais pourquoi il n'y a que toi ce que ça fait mal? Parce que tu ne savais pas que. Pour moi, c'est que quand je vois l'histoire là, c'est que elle est déçue parce qu'elle ne savait pas qu'un jour. Parce qu'elle disait que moi, Lolo Fonja, jamais personne ne va m'annuler à Facebook. Elle fumait. Elle avait fait une vidéo, je me souviens. Attends. Elle avait une cigarette comme ça. Attends, j'allume la cigarette après, je me suis. Qui, moi, jamais personne ne va m'annuler à Facebook. J'avais fait un direct. J'ai dit que Lolo, tu es sûr. Je t'avais dit que l'autre, tu es sûr. Ta part va arriver. Oui. Elle était fière. Oh, ma chère a fait ceci. Massa. Cela ne m'a pas fait 3 jours. Bam. Massa. Ouais, français, frère, est-ce que je mens? Moi, je suis quelqu'un que. Je suis célébral. Je n'oublie jamais rien. Vous vous souvenez, non? Qui, moi? Oui. Vraiment, les sales femmes comme ça, là. Vos nudités sortent partout. Jamais. Moi, ma nudité ne sortira à Facebook. Elle fumait. Il faut voir les commentaires. Oui, tata Lolo, tu es une vraie femme. Une femme digne. Pas les bordels, là. Les veuves joyeuses, les quincam. Maman, quand même, on était mort le moment, là. Je vous dis que les langues. C'était un dimanche. Mardi, c'est sorti. J'étais ici. À l'époque, j'avais encore mon vieux canapé rouge là, qui était mon vieux canapé en cuir là, noir là. Avec ma petite télévision là, qu'on insultait tous les jours. Vous vous souvenez de l'histoire? Maman. Qui m'envoie ça? Niva qui? Le petit gars là. Qu'on appelle. C'est lui qui m'envoie. Le coup là, qui m'envoie. Moi aussi, j'envoie, je partage. Maman, c'est sorti à Facebook. Wow, 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 maman. Nathalie, quoi. C'était pas comme ça. Nathalie, quoi. Au moins, on n'a pas vu ces deux tours. Pour toi, était. Maman, on a vu tout. Non, pour moi, c'est qu'elle m'en veut. Elle n'en veut même pas les gens qui ont partagé. Elle en veut. Parce que la façon qu'elle a dit, que jamais, moi, personne ne verra jamais nudité à Facebook. Elle m'insultait tout le temps. Elle insultait, oui, mini, mais non. Ça se passe pas, mini, mais non. Okay. Maman, c'était un séisme. Séisme.
Facebook que vous voyez ici. Ne dis jamais que jamais. Hein, parce que il y a les gens qui travaillent dans le noir. Les gens qui travaillent dans le noir. Tu attends seulement ta bonne image. Bim, veux-vous aller chercher quelque chose. Tu ne sais pas qui t'envoie. On t'a déjà envoyé là. Oui. Je suis la première à lui dire que te voici ici. J'ai envoyé un demande. Demande aussi a fait la même chose. Quand tu dis que tu ne peux pas. Facebook. C'est un monde de ténèbres que vous ne connaissez pas. Et il y a une surface très jolie. Mais derrière, mouf. Ah. Autant c'était ton gars, non? C'est ton tueur, ton gars. Alors, il faut l'en vouloir lui. Parce que le fait d'abord qu'il te filme, qu'il t'attache. Les histoires de code est d'abord sorti comment depuis des années? Parce que l'histoire, si on a parlé de ça depuis des années, c'est sorti comment? Continue. Le tout, si j'ai beaucoup de comptes là, je veux mettre tes voix, je veux mettre tes vidéos, tes photos, je m'en fous de certains comptes. Il y a beaucoup de comptes que j'ai que je n'ai pas même plus là-bas fait quelque chose. Je veux te mettre, je veux te filmer comme ça, je m'en fous. Si Facebook me fait, ce n'est pas le même moteur. Attends. Mais oui, elle a tué, mais autant. Il ne faut jamais dire jamais. Hein? Moi, ma cuisse, que c'est moi qui ai mis ta nudité. Jean-Denis l'a mis aussi. A monté ta nudité à Facebook. Pourquoi tu ne l'attends pas? Jean-Denis aussi avait fait la même chose que j'ai dit que te voici ici. Jean-Denis a mis ta nudité. Elle a montré que te voici. Voilà tes fesses ici. Demande-nous à faire. Pourquoi c'est moi que tu as bien agressé? Pourquoi tu n'agresses pas Mini Minor ou Demano ou Flore? Pourquoi moi? Pourquoi moi on va mettre ça sur la tête? C'est moi. N'est-ce pas, Yahwa? Messenger. Alors, continue à dire que moi. Et Facebook ici, personne n'est à l'abri. Hein? Surtout nos stands Bracata. Personne n'est à l'abri ici. Quand les gens parlent que Waro ça fait ceci. Non. Parce que moi aussi, je reçois. Les infos. À l'époque, Lolo terrorisait tout le monde. Les injures que Lolo a dans la bouche. Merde. Qui est là? Je vois. Tobichou, qu'est-ce que tu fais dans mon direct? Je t'ai dit de ne plus me parler. Tu as fait un direct jusqu'à ce que je t'ai appelé. Moi, je t'ai appelé, moi. Je t'ai déjà appelé un jour. Hein? Ton numéro de téléphone est là. Je t'ai déjà appelé un jour pour te dire même bonjour. Moi, je t'ai appelé. Tu dis carrément que je t'ai appelé. Il faut dire, si comme tu es là, moi, je ne veux pas te bloquer. Arrête de mentir hein, sur les gens. Tu ne me connais même pas. Je ne t'ai jamais appelé un jour. Même pour te dire bonjour. Même pour te demander que comment tu vas ou quelque chose. Jamais. C'est toujours toi qui m'appelles. Et quand tu m'appelles, je ne réponds même pas. Et tu oses dire dans ton direct que moi, je t'ai appelé hier ou aujourd'hui. Moi, si. Moi, je t'appelle, moi. Tu sais, je t'ai dit. Je n'ai plus mensonge, même que veuve. Tu as insulté mon mari, mes enfants, et dans mon goût, tu as insulté tout le monde. Pour rien. Je te répète. Ne fais plus allusion à moi. Oublie-moi. Tu entends? Je dis, ou tu oublies. Je ne veux pas te bloquer. Mais tu arrêtes. Si tu continues avec mon nom, je dis lundi. Je vais te montrer ma force de frappe. En tant que veuve, une pauvresse comme moi. Tu es petit. Tu as vu, tu fais maintenant les vidéos, Yaki. Quand tu fais des vidéos maintenant, là, moi je viens guetter, il n'y a plus les gens. Tu. Oh, sors-toi, machin, fais ceci. Tu inventes les choses. Hein? Je suis ta soeur, oh ouais. Et tu insultes ta soeur? Je ne suis pas ta soeur. Tu insultes mon mari qui est mort. Tu insultes mes enfants. Tu m'insultes. Par rapport à quoi? Tu m'as déjà insulté plusieurs fois, je t'ai pas répondu. Je t'ai fait quoi? Est-ce que j'ai refusé que tu sois ami avec Lolo? Jamais. Tu penses que tu veux. C'est toi qui vas me dire de ne pas insulter Lolo? Tu connais nos conversations à Facebook. Tu me connais où? Bon. Je vais arrêter mon direct. Je vais te dire une chose. Je ne veux plus jamais te voir dans mes directs. Je ne veux plus jamais te voir dans mes directs. Oui. Donc tu arrêtes. Je suis tribaliste, je suis comme je suis. Il n'y a pas de souci.
Tu entends? Donc, tu arrêtes ton petit, tes petites manipulations des réseaux sociaux. Et je te dis une chose. Ne viens plus jamais dans mes directs. Tu entends? Oublie-moi. Pour l'instant, je te laisse. Ça fait deux fois que tu fais apparition dans mes directs, je laisse. Je veux te faire quelque chose que tu ne me connais pas très bien. Voilà ça que je préviens. Plus jamais. C'est la dernière fois dans ta vie que tu viens dans mes directs. Que je sois ta soeur ou ta mère ou ce qui, ou les Bamiléquins ont fait quoi. Ça ne te regarde pas. C'est ma vie. Avec les Bamiléquins. Laisse-moi. Ne viens plus dans mes directs. Je ne t'ai jamais appelé un jour. J'ai mis mon numéro de téléphone ici. C'est toi qui m'appelles. Je ne te reprends même pas. Alors tu arrêtes. Il faut comprendre quand une lionne est blessée. Voilà ce que je préviens d'abord. C'est miroir. Aujourd'hui, on va parler des faits divers. Et à notre, j'ai une diamantée qui va nous parler de son histoire par rapport à la dépression et tout. On va parler de la dépression, on va parler des faits divers aujourd'hui. Je vais commencer par parler à 17h. Donc, on est toujours à 17h. Je vais commencer par parler de moi, de mon histoire, mon vécu. Et après, je donnerai la parole aux gens qui vont appeler pour expliquer aussi leurs histoires et tout ça. Donc, voilà. Mais avant ça, on va se coucher. Et après, on va aller au marché. Comme on passe au marché le dimanche. Et à 17h, vous vous connectez, vous partagez. Suite le direct, parce que c'est quelque chose qui est très important. D'accord? Et la semaine prochaine, on va parler des veuves. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.